Bonjour à tous, Gilles agriculteur dans le Loiret. Aujourd'hui, je vous emmène faire la moisson des blés. Aujourd'hui, j'ai pas un volant de tracteur ou un volant de moisseuse-batteuse entre les mains. J'ai ça, donc une télécommande pour pouvoir piloter un drone, pour pouvoir vous emmener voir la moisson du ciel. Allez, on y va! Donc pour commencer les champs, on commence toujours par le tour, donc faire les chintes, ce qu'on appelle les chintes, les fourrières, ça a plein de noms. Et donc on commence par détourer les champs pour pouvoir après tourner sur ces tours de champs. Donc ensuite, une fois que les tours sont faits, on fait l'intérieur du champ. Et là, on s'aide d'un outil très précieux, c'est le GPS. Et c'est pour ça qu'on a des belles lignes droites, bien droites. Et c'est grâce au GPS qu'on arrive à toujours avoir la coupe pleine, donc la coupe complète, alors qu'à l'œil nu, on y arriverait beaucoup moins. Autre étape importante après chaque tour, bien sûr, c'est de vider. Voilà, j'ai pu réaliser cette vidéo par drone grâce à vous, les auditeurs de cette chaîne qui vous êtes mobilisés suite à mon appel sur Mimosa. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup et je voulais remercier plus précisément tous ceux qui ont participé, qui ont été les contributeurs à ce drone, en particulier la SARL Hurlin Frères, Pierre-Antoine Foreux, Elodie Lemayou, Théo Joy qui fait des super vidéos, allez voir sa chaîne. Cyril Champenois, France Agri Twitos, Laurent Berndeux de WeFarmUp, Sébastien Guay, Partenaire Douceur, Thomas Guillot, Jean-Pierre Coulon, Clément Mercier, Maxime Carvran, Jérémy Aubert, Stéphane Auboiron, les ETA Legros, François Fortin, Romain Godin, Stéphanie Policier, Alexandre Ben, Philippe Evelli, Van Campen, Jean-Philippe Gonon, Carnot, et aussi Sam 6 de start-up intéressantes, Léonard, un de mes tontons, Loïc, et enfin je voulais vraiment remercier Clovis Nico et Brice et Émilie Volin qui ont fini de financer le projet le dernier jour. Donc merci à eux et merci à vous tous d'avoir participé à ce projet.